Ma composition, moi, pour vous tous, c'est. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses et que chaque jour tu les gardes dans tes voies. Mais ça reste que ce sont des animaux. C'est absurde. C'est absurde. Je l'ai dit, c'est absurde. Toi, tu crois que t'es quoi? Moi, je suis un humain. Un humain. Un humain. Il faudrait plus qu'on aille les voir, qu'on sache. C'est quoi leur état? Comment ils se sentent? Je me suis comme sauvé dans la rue pour respirer peut-être, pour m'évader. Mais on finit par être écœuré. J'avais peur d'aller dans la rue, là. Dans ma tête à moi, qui suis une tenace, je pense que j'aurais souhaité ardemment que quelqu'un là, de psychologue ou peu importe m'aurait tendu une main. Je pense que je m'en serais sortie. Ça va être un tremplin, le métro, j'y souhaite. Puis je vois les deux côtés, surtout dans le temps des fêtes. Tu vois personne qui joue dans le métro. Oui, c'est agréable, mais je trouve un côté bien triste. Parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas de famille, qui sont dépourvus. Fait qu'un métro ferme, ben eux autres, ils ramassent leur guitare, puis ils s'en vont chez eux, mais dans quel chez eux? En le regardant comme ça, t'aurais peur de passer même à côté de lui. Je pense qu'il y a des gens qui ont des préjugés, mais en tout cas, on n'en souffre pas. Je resterais pas sur la rue en train de regarder les gens passer en demandant de l'argent. Même si je suis un sans-abri, il y a un minimum de dignité à respecter. Je serais pas comme ça. Mais tu crois que c'est facile, là? Même toi, tu sais que c'est dur là, dans le froid. Mais ouais, ça, je sais qu'il y a du froid. C'est pour ça que je suis venu au sac à dos, c'était pour prévenir. Au lieu de guérir. Au lieu d'étudier durant leur enfance, ils ont préféré aller dans le mauvais chemin. J'allais à l'université, j'ai travaillé durant 10 ans en ingénierie, en 2003, quand je me suis séparé. J'ai été 12 ans dans l'itinérance à consommer de la dope. Puis en tombant dans la drogue, j'ai tout perdu. Hein. C'est pas notre faute, c'est juste quelque chose qui arrive, puis tout nous dépasse, et puis on perd le contrôle et l'équilibre, puis c'est ça. Mais je pense qu'à l'école déjà, ils ont été victimes de discrimination. Je sais pas, ils ont été intimidés. Ou même chez eux, ils ont eu des difficultés financières. Leurs parents, peut-être, ils ont eu des parents divorcés. Ça a un impact aussi sur la psychologie de la personne qui a vécu ça. Alors, ce serait d'en prendre soin puis de les aider du mieux possible. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la nuit...